petite pointe ici. D'accord. Pourquoi il y a une petite pointe ici? C'est pour maintenir la sagaie sur le propulseur. J'imagine qu'ils parlaient, qu'ils communiquaient beaucoup avec les gestes, en tout cas pour les Néandertaliens et puis leurs prédécesseurs. Vous vous souvenez, vous avez fait un petit rappel de la chronologie des hominidés? Voici à quoi ressemble le poussin. Comparons les dimensions des ours modernes. Comme dans la réalité, en fait, les fouilleurs créent voilà, des carrés comme ça, où chacun aura son carré. D'accord. Fortement imaginer qu'ici il y avait peut-être une sorte de cuisine là où. Également très tranchant. Regardez bien à quel point ça peut trancher facilement de la peau de bête. Imaginez sur vos doigts. À la Seconde ou à la Première Guerre mondiale, ou alors à une bataille un petit peu avant encore. Et au fur et à mesure, plus on va creuser, plus on va changer de couche, plus on va changer d'informations et de découvertes. Et du coup, pour certaines positions, parce qu'elle a été mise dans cette position-là aussi. En fait, ils ont découvert Pierrette. Elle était en position
fœtale. En tout cas, les os qu'on a découverts d'elle, on n'a pas découvert le corps entier, le squelette entier de Pierrette.